Mathieu Prado, je pense que je réalise pas trop. Là, j'avais surtout en tête de repartir avec le titre. Voilà. Pour moi, c'était une victoire et rien d'autre, c'est tout. Donc, je pense que je réaliserai peut-être dans quelques jours. À aucun moment, dans ta tête, tu t'es dit que c'est mon dernier match, même au début, pour la présentation des équipes. Si, vite fait, mais j'ai pas vraiment pris l'ampleur de la chose pour l'instant, je pense. Ouais. Mais non, après c'est sûr que là ça fait vraiment plaisir de se dire que c'est les derniers instants ici à Bourges et que bon bah je repars avec quand même quelque chose, voilà. Ouais, quand je vois Fatih, quand je vois Lily, quand je vois Gégé, je me dis bon, c'est elles qui nous l'ont volé l'année dernière et voilà, on avait vraiment pas envie que ça arrive encore une deuxième fois. Mais franchement, je pense que c'était une des plus belles finales que j'ai pu faire. Parce que voilà, en face, il y avait quand même une grosse équipe, ça s'est joué jusqu'à la fin, voilà, jusqu'aux dernières secondes. C'était encore chaud, on ne savait pas ce qui allait se passer. Et donc, voilà. Bah, à la fin, j'avoue que j'ai un peu douté quand même, hein, je ne veux pas faire la maline. Vous avez un gros passage, vous avez réussi à trouver les gars. Ouais, et après. Ouais, mais voilà. Mais après, c'est ce qui rend aussi la victoire encore plus belle. Hein. C'est un vrai kiff. Ça faisait déjà un moment que je me disais pourquoi pas tenter quelque chose à l'étranger. Enfin, j'avais toujours dit que j'aimerais bien, une fois dans ma carrière, au moins voilà, tenter l'expérience à l'étranger. Bon, bah, il se trouve que, bah, voilà, que ça arrivait. Et puis j'ai senti le moment, j'ai senti le club, je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, c'est très loin. Et pourtant, voilà. Mais